Bonjour tout le monde, ici Denis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'horloge. Donc, à quoi sert un horloge? Ça sert à mesurer le temps. Donc, ça fait partie des mesures et calculs qui est dans la compétence essentielle du calcul. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre l'heure analogique et l'heure digitale. Comme vous voyez, si vous avez une horloge, donc ordinaire, vous avez la petite aiguille à 1, puis vous avez la grande aiguille pour les minutes qui est à 12, c'est-à-dire à 0. Donc, si on va au niveau digital, ça va nous faire une heure. Donc, il y a une heure. Présentement, tout ça, vous avez un, deux petits points, puis vous avez deux zéros. Donc, c'est ça que tu appelles l'heure digitale. C'est ça que vous avez normalement sur les téléphones cellulaires, puis sur certains appareils, même dans une cuisine, pour avoir, si vous avez réglé l'horloge dans la micro-ondes, vous allez avoir du digital comme ça. Donc, ici, vous avez la petite aiguille à 11, puis l'autre à 0 aussi. Donc, ici, ça va être 11 heures. Si je continue ici, la petite aiguille est à 8 heures, puis l'autre aussi à 0, donc il va être 8 heures, et ainsi de suite. Celle-ci est à 4 heures, celle-ci est à 3 heures, et celle-ci est à 5 heures, la petite aiguille est à 5 heures. OK. Donc c'est ça qui est la différence entre l'heure analogique et l'heure digitale. Donc, vous voyez ici, c'est des horloges, comme ça, tandis que l'heure digitale, c'est seulement des chiffres. OK, là, vous aviez des heures là, à 4 heures, puis à 5 heures, tout ça. Alors, on va les voir comme vous avez des minutes avec ça. Hein, j'ai mis l'air un petit peu sur ça. Je ne suis pas sûr que vous voyez bien, mais il faut. Donc, vous voyez ici que vous avez la petite aiguille qui représente les heures, c'est à 4 heures, puis vous avez l'autre ici qui est à 3, au chiffre numéro 3. Mais si vous voyez ici, toutes les petites barres ici, ce sont tous des minutes. Ça veut dire ici, si vous comptez toutes les petites barres jusqu'à 3, c'est 15 petites barres, ça veut dire c'est 15 minutes. Donc, vous avez 4 heures, donc ici, comme pour l'heure digitale, ça va être 4 heures et 15 minutes, que vous avez un 15. La même chose, vous faire ici, vous avez 2 heures, 2 pour les heures, vous avez 15 minutes aussi, donc ça va être 2, puis 15 minutes. Ici, vous avez un 7, c'est la même chose, donc ça va être 7, 15. Ici, vous avez 6, donc ça va être 6, 15. Ici, vous avez un 10, donc ça va être 10, 15. Puis ensuite, vous avez ici 5, la dernière qui est 5 et 15 minutes. Okay. Donc, ça va comme ça. Donc, après ça, vous avez les différentes minutes que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça qui fait la différence entre l'heure analogique ici et l'heure digitale. OK, la prochaine vidéo, je vais vous parler de système horaire de 24 heures puis celui-là de 12 heures. Alors, ça ne sera pas là. À la prochaine!